Ça va, et toi alors Zoulou? Putain, ça fait plaisir de te revoir. Suis-moi, suis-moi. Attends, parce que je veux pas aller trop vite, on visite toute cette régie. C'est quoi ce poste-là? Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez bizarre. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Alors je vous demande juste 7 minutes. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Bonne soirée à tous. Justement, là, Paris Games Week, parlons-en avec un petit tweet auto-promo. Zoulou RL visite de la Paris Games Week. Beau gosse. Ah, écoute, c'est pas mal, hein. Beau gosse. On dit, je te mets des cheveux, on dirait Billy Crawford. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoulou IRL en direct de la PGW 2019 avec Ken. Comment ça va, Ken? Bonjour Zoulou, ça va super bien, je suis très content d'être là. Par contre, je suis déçu. On a vu beaucoup de jeux vidéo pour l'instant, mais moi je t'avoue que la soirée presse, c'est aussi les buffets normalement, c'est aussi les boissons. Mais non, on est des gamers, on s'en fout de manger, de boire, tout ça. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais en gros, c'est quand même une pub pour dire le Coca Zéro, c'est meilleur que le Coca-Cola ou c'est le même goût. C'est-à-dire que c'est les seuls mecs au monde qui ont tellement rien à battre. Des fois, je dors et elle dit tu retiens ta respiration et d'un coup t'es là. Vraiment une condition physique catastrophique. Hein. Même quand je dors, j'ai soufflé, bro. C'est chaud. Bah ouais. Enfin, T'es sûr que c'est pas la charcuterie plutôt? Parce que je trouvais nul de devoir prouver à des mecs à qui t'as fait à manger que ce que tu viens de faire c'est bon. Ouais. Et en vrai, il y a un truc. Zoulou, ça va être facile à convaincre. Hein. Ouais, ça va. Non, mais ça, Zoulou, c'est le papier. Ça va bien se passer. Non, mais alors, juste devant moi, je vois un truc qui m'intéresse beaucoup. Un jeu que j'aime beaucoup, vous le savez, si vous me suivez sur le stream. C'est Age of Empire 2. J'aime beaucoup faire les bruitages d'Age of Empire 2. Je t'écoute. Voilà, c'est nul. Où il y a les moines ou les prêtres, je sais plus, qui font. Ouyoyo, ouyoyo. Voilà, là, exactement. Et enfin, on va se terminer sur un petit sosie. Devinez lequel. Je savais. Tu déclenches le truc. Oula, attention, il a bougé tout seul. Zoulou a loqué sa cible. Il va appuyer sur le bouton. Oh oui, t'es bien. Oh oui, t'es méga bien. Si cette pince ne triche pas, t'es bien. Oh, oh, oh non. Oh non, 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 non. Ken, sauve mon honneur, s'il te plaît. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien, Ken. Attention, Ken qui... Aïe, 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 aïe. Et le rêve qui s'arrête net pour Ken Bogard ici. Ken un peu déçu, j'imagine. Et Zoulou, il a mis mes lunettes la semaine dernière. C'est vrai qu'on dirait Docteur Robotnik. Il rigole déjà. Personne you, Sonic. Et tout le monde peut ouvrir les yeux. Zoul. Une belle nuit. Ça ne marche pas. Je veux pas dire, mais j'étais méchante, donc est-ce qu'un indice peut-être? Non, je suis en train de réfléchir. Je vous dis pour moi. Je pense que c'est... Soit c'est Zoulou, mais depuis le début, je le sens mal. Non, mais attends. Ma grosse soit c'est Zoulou. En fait, je sais que c'est pas Xari. Alors, soit c'est Zoulou. Bah, merci. Par contre, du coup, Zoulou, la game d'avant, j'étais vraiment endormi, quoi. Ouais, je pensais vraiment à un truc. Et t'étais pas méchant. C'est méga, n'empêche. Du quoi? Mais j'ai fait la même avant, laisse tomber. Je sais que c'est et d'un smartphone français d'une marque qui s'appelle CrossCall. Ce sont deux produits conçus pour tous les gens qui veulent sortir de leur quotidien, aller vers le triathlon, aller vers le sport, la randonnée, le trail, l'ultra trail, le Mont Blanc. L'haltérophilie aussi, apparemment. L'haltérophilie, et n'importe comment. Et on... Qu'est-ce que t'as fait? Alors là, selon ce que t'as mis, tu t'es grillé, quoi. Parce que là, je suis sûr à 100% que toi, t'es méchant. Bah oui. Bah oui. Si Gigi, il a mis un... Enfin, en fait, il se peut qu'ils sont tous les deux méchants. Il peut pas mettre un vrai, parce qu'en fait, il a pas le choix. Si c'est le seul méchant, s'il met pas un vrai, il a perdu. Mais moi, j'en sais rien, Riven, c'est le seul truc dont je suis sûr, c'est que lui est méchant. Mais arrête! Ça fait trois méchants, arrête. Dina, les gens qui viennent. Je savais que j'allais être checké. Pourquoi est-ce que vous vous sentez perdu? Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment de ne plus savoir quelle décision prendre,
dans quelle direction aller. Si vous faites ça, je peux vous assurer, vous allez retrouver du sens dans votre vie. Bon, ça arrive. C'était méchant, c'est horrible. Au gouvernement. Tu me crois si tu veux. Zoulou, tu vas nous parler de quoi? Bah, l'actualité du moment, malheureusement, c'est qu'il y a une attaque à Paris. On va pas parler que de ça, mais je vais forcément y venir. On va aussi parler de dons de sperme. Voilà, sans transition. On a prouvé que les dauphins savaient s'amuser. Les dauphins font des trucs gratos. Ils savent violer aussi. Ils savent aussi violer. Les chauves-souris font des fellations. T'as toujours dans le thème du don de sperme. Tu plantes ta hache rudimentaire dans le premier mec qui passe. Est-ce qu'on peut dire que le premier mec s'appelle genre Gzoul ou Zoulx? On peut lui donner un nom ou pas? Si tu veux. J'ai un mec que j'aime pas, j'ai un compte à régler avec lui. Bon, on m'a envoyé ça, c'est un petit mème que je trouve sympathique, ça m'a un petit peu surpris. Quand tu vas au Bois de Boulogne pour la première fois. J'ai 20 euros, j'aimerais bien que tu me fasses plaisir. Non mais on me reconnaît pas à ma juste valeur. Moi j'ai 26 ans de Lego, monsieur. Ça doit être ça. On a toujours pas les photos de ta maman, c'est bien dommage. Oh wow wow. Oh, oh, y a ta femme sur le chat. Pourquoi tu veux les photos de ma mère? Ce sera si tu précharges, ce sera aussi beau. Et par contre, si tu ne précharges rien, apparemment Tulus de jeuxvideo.com a essayé. Non mais vous rendez compte? En fait, le truc c'est que je le regarde lui, sauf que le chat il est là. Elle est là. Et quand tu regardes toi, il y a l'écran derrière avec les zoulons là. Je suis baisé. Pour une fois, j'adore le chat parce que ils étaient là en mode vas-y venez on fait rire. Et ils étaient au taquet. Ça fait 30 minutes qu'ils essayent de faire rire Zoulou. Et du coup, quand ils ont réussi, j'étais en mode. Bah oui. Mais excellent travail les gars.